Ça se bouscule au parc Ernest Cristal jeudi 18 décembre dernier. Et pour cause, cette myriade de bambins est attendue sous le chapiteau du Cirque de la Piste d'Or pour une séance spécialement retravaillée pour eux du Cirque de Noël. Une heure de show au lieu des deux proposés le reste de la semaine pour la version classique du spectacle, c'est moins de temps mort pour le jeune public et moins de temps pour se changer du côté de la troupe. Ainsi, l'incroyable Spider-Man a-t-il à peine le loisir de souffler avant qu'un Peter Parker dompteur ne prenne sa place. C'est mon grand-père qui m'a appris à dresser et à dompter aussi les fauves. Donc nous, ça, c'est la famille Falk. Ça fait 8 générations qu'on fait du cirque. Donc depuis mon arrière-grand-père, on dresse les animaux. Et les animaux sont arrivés au cirque pratiquement à la naissance du cirque. Donc nous, les animaux se reproduisent chez nous. Ils naissent ici, on les élève et ensuite, quand ils ont l'âge d'être dressés, on les dresse. Ces tigres ont été apprivoisés dès l'âge de 3 mois. À 6 mois, on commence à leur apprendre quelques tours pour finalement être capable de présenter un numéro vers l'âge de 3 ans. Mais ceux que vous voyez là n'ont qu'un an et demi, et visiblement encore, un certain degré d'indépendance. Ce qui semble bien amuser nos jeunes spectateurs, bruyamment désireux de faire entendre leur ravissement. Une clameur largement entretenue d'ailleurs par les pitreries de clowns, bienveillants précisons-le, et que l'on doit au partenariat réussi du Cirque de la Piste d'Or avec l'agence événementielle Cirque Event, spécialisée dans le domaine. C'est ma passion, donc j'ai entraîné mes collaborateurs dans cette passion, et le fait d'être spécialisé dans ce domaine-là nous permet de travailler beaucoup en sous-traitance pour des agences événementielles qui ne connaissent pas ce milieu qui est très particulier. L'année prochaine, Cirque Event entend nourrir d'autres partenariats pour proposer un nouveau cirque de Noël à Clermont. Mais après le succès de cette première clermontoise, de nombreux professionnels sont en lice pour créer l'événement. Tant mieux pour les amateurs de cirque, à qui cela promet du grand spectacle.